dans la sémantique générale de Korsitsky. Je combats mon cortex cérébral, je me fortifie. Mon écriture se bonifie comme le bon vin. Avec le temps, les goûts se modifient, les faux se codifient. Il paraît qu'il y a le bien, il y a le mal, il y a le blanc, il y a le noir, et qu'il y a des lois dans ce monde de bâtard. Moi j'écoute Athéna, j'essaie de pas m'écraser dans les flammes de l'enfer et de me barrer de là. En attendant, on se crée des problèmes en trouvant des solutions diaboliques. On rêve des blindés comme Bill Gates ou l'Arcomiche. On a nos vies, on a nos vies, on s'intoxique, c'est ça nos vies. On glisse dans des mondes parallèles sans l'aide Queen Mallory. On fait des erreurs, c'est normal, on apprend beaucoup de nos conneries. On passe notre temps à esquiver la bouffonnerie de la moutonnerie. À se demander pourquoi on vit, pourquoi on meurt, pourquoi on rit, pourquoi on pleure, pourquoi on contrôle pas son cœur. Au fond, on s'en fout. Le principal c'est de kiffer l'instant présent. Le principal c'est de vivre intensément, s'améliorer en s'entraînant, être exigeant, simplement rester soi-même en écrivant et en existant. Parce qu'on respire, on mange, on boit, mais là on se voit la face, on se regarde dans la glace. Qu'on voit, c'est seulement notre carapace. On se cache derrière des masques et on prétend être vrai. C'était mieux avant, normal, c'était mieux quand on s'aimait.